Depuis novembre 2020, Elsa Launeguini interprète Clotilde Armand dans la série Ici tout commence. Jeudi 24 août 2023, dans les colonnes de Libération, l'actrice a indiqué qu'elle vivait à 10 km de Saint-Laurent-des-Gouzes, où elle tourne la série. Il y a des fans tout le temps autour du château du tournage. J'ai préféré m'installer ici, a-t-elle précisé. Alors quoi, accepter un rôle récurrent est nouveau pour elle, l'actrice ne semble pas vouloir s'éterniser. De toute ma carrière, je n'ai jamais voulu me mettre des chaînes, a-t-elle fait savoir. Quelques semaines plus tôt, dans un entretien accordé à Télé 7 Jours, celle-ci avait pourtant assuré « Je ressens toujours beaucoup de plaisir et de bonheur à jouer dans cette série. » Une histoire d'amour s'est tissée entre nous. Il y a aussi l'attrait des nouveaux qui arrivent. Et tant que je m'amuse, je me dis que ce serait idiot de partir. J'entamais déjà ma quatrième année, en même temps. Dans un entretien accordé à Télé Loisirs, Elsa Launeguini avait expliqué, « Clotilde, mon personnage, m'énerve vraiment parfois. Celui de Vanessa, de Moï, note de la rédaction, aussi, mais il me touche. » Rose est plus posée que Clotilde, qui est plus sanguine, soupe au lait, et part très vite. Interrogée sur les conseils qu'elle pourrait donner à son personnage, l'actrice avait indiqué, « Je dirais à Clotilde de moins prendre la mouche et de réfléchir avant d'agir. Elle est impulsive et fait des choses qu'elle regrette souvent, d'ailleurs. » Clotilde a beaucoup de mal à montrer ses failles, sa fragilité. Elle veut garder un contrôle permanent là-dessus. En revanche, dès que ça touche à sa famille ou à l'institut, plus rien n'existe et elle est elle, entière et impulsive, mais j'aime qu'elle soit comme ça. Elsa Launeguini, je n'ai jamais été très chaude pour me lancer dans une série quotidienne si elle n'est pas une chef étoilée, l'actrice a un point commun avec son personnage, elle aime cuisiner. Je n'ai pas de vraiment spécialité, je peux faire plein de choses différentes. Ça va des pâtes à toutes les sauces parce que j'adore ça, à un curry, à un couscous, des ragoûts. Je ne cuisine pas comme une chef en mettant les petits plats dans les grands, je ne fais pas de petites portions ni de dressage. Moi, j'aime les plats familiaux transmis de génération en génération, les recettes de ma grand-mère, de ma mère. A-t-elle indiqué. Dans les colonnes de Téléstar, elle avait par ailleurs confié ne pas avoir été emballée par le projet au départ. Pour être tout à fait sincère, mon agent, qui me connaît bien, savait que je n'ai jamais été très chaude pour me lancer dans une série quotidienne, avait-elle dévoilé. I just need